Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va jouer avec Goodstone à 2 sur ce magnifique jeu avec le meilleur maniement du monde. Bonsoir Goodstone. Bonsoir Kim et salut à toutes et à tous. Alors du coup, on a un peu de train vite fait, on va le dire, ça n'a pas duré longtemps. Du coup, on va tenter... je te propose de tenter, qu'est-ce que tu veux commencer? Un championnat, un mode arcade? Le mode championnat. Ah, moi championnat, par accepter. Donc on a la 164, on avait fait la version play-in avec BJJ, cette fois-ci c'est la 164. Apparemment on a le mode expert ou World, on va faire World, hein. C'est le seul disponible. Un nouveau championnat. Player setting, je crois qu'il n'y a rien à régler, je regarde quand même. Controller setup. Juste les maniements quoi. Ouais c'est ça. Donc du coup, fait back. Voilà, là. On va faire back aussi. Et on va faire démarrer. Alors qu'est-ce que tu veux comme catégorie? Kit car ou WRC du coup? Écoute, on va commencer en douceur avec les kit car. Ok. Désolé, mais je ne me suis pas du tout entraîné. je sais pas ce que je vais prendre. Je sais que la lune est coupée, c'était assez mauvais, donc dans le doute, je vais pas le tenter. Je vais prendre la 7 Ibiza, allez, c'est parti. D'accord. Écoute, moi je vais prendre la fameuse Nissan Almera. Allez, vas-y. Hop. Voilà. Alors du coup, on a tout ça. Je crois que ouais, c'est un la... Enfin, c'est on choisit un ou... dans l'ordre qu'on veut. Tu veux commencer par quoi? Par l'Indonésie. L'Indonésie, ça marche. Dire que c'est le moins difficile. Bah ça, on va voir. Tu veux changer tes setups, tu le dis, sinon on fait démarrer. Non, c'est bon. Et donc, ready go. Donc, le jeu correct hein, de joueurs au niveau du graphisme, mais bon, c'est un peu moins lissé que la sans play, hein, on a rien touché. Et donc, on sera que deux par contre, il n'y aura pas d'IA. Donc, c'est parti. Ne vous attendez pas à du grand niveau. Hein. Voilà, t'as bien fait de le rappeler parce que voilà, 3 secondes c'est déjà mort. Ouh, l'Ibiza, mon dieu. Et donc, ouais, on faisait la réflexion tout à l'heure, mais on va le voir hein, quand on fera les groupes B. Apparemment, il y a certains sponsors qui n'ont pas été masqués. C'est ça. Je sais pas si ça a été volontaire ou non. Ouais, c'est sûrement un oubli, parce que je pense que vis-à-vis de la loi... déjà, à cette époque, c'était un peu obligatoire de le masquer. Pour l'instant, ça va. Je m'attendais à pire. Niveau du maniement côté début de course... Enfin, jusqu'à maintenant. Ah, jusqu'à maintenant. De toute façon, on va sûrement faire des erreurs à terme. Hein. Là, c'est le circuit peut-être le plus simple avec la Corse. J'ai vraiment peur. Hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas les IA. Ça aurait pu être plus simple. Plus ouais, c'est plus... ça. Parce que là, on va être sur le 1 contre l'autre. Bon, peut-être que c'était trop demandé ou trop difficile. Ouais, non, quand même, pour la 64, je pense qu'il serait capable de le faire. Oh la vache. Je pense qu'on peut quand même jouer à 4 à ce jeu. Aïe. Oui, sur ce jeu-là, oui. Ah, ce serait marrant de faire un tournoi à 4. Un tournoi. Un tournoi. Galère à 4. Tenter un truc à 4 ou à 3, mais en tout cas. Ça peut le faire, hein, je pense. Surtout Lost qui doit envoyer pas mal de données. Donc, si t'as la fibre, je pense que ça passe. Enfin, si la personne a la fibre, ça devrait aller. Bon, je pense qu'il y a la faute. Dommage. Je m'en tirais bien, quoi. Et voilà, boum, ça fait 3 secondes. J'ai mal à la tête là, voyant ton tonneau. Là aussi. Ah, c'est quand même assez pourri au niveau du menu. Le pire dans tout ça, c'est que Harry Vatanen a été consultant dans ce jeu. Oui, je l'ai vu tout à l'heure dans comment la. C'est possible quoi. Dans les crédits en fait, dans la démo qui tourne au bout d'un moment, il y a. Il y a Vatanen et il y a Panidi aussi. Hein. Oui, qui fait la voix du copilote. Ouais. Comme. Mais comme dans Rally 3 d'ailleurs, je crois. Et dans le 2. Aussi. Et dans le 2. Bon, là, il a pas eu grand chose à dire. Hein. À part droite, gauche léger. Le game over. Ouais, game over aussi. Bon, il est assez simple quand même celui-là pour le moment, le tracé, mais. Bon, ça dépend pour qui. Ah, l'Ibiza se défend bien hein, niveau maniement. C'est beaucoup la moins... Mira, ça va encore.
C'est juste moi qui maîtrise pas encore. Ouais, ça va venir. En fait, faut être soft. Ce que je fais, c'est qu'en général, dans le virage, je fais juste que ralentir. Je ne puis même pas sur le frein. J'essaie de la faire glisser sans trop la faire bouger, quoi. Parce que moi, je freine sec, quoi. Ah, ça marche, mais que quand t'es dans les virages. Enfin, juste pour arriver avant le virage, quoi. Donc là, il y a 3 tours. On est déjà au deuxième. Enfin, mettons au troisième. Bon, ça décharge, j'ai plus joué à ce jeu que toi, hein, donc... Déjà dans le dernier tour, j'ai 30 secondes de retard, quoi. C'est pas possible. Bah j'ai pas trop fait d'erreur, à part au tout début, là, où je me suis retourné à un moment. Oh, allez, bah, si je dis ça... Normalement, avec ton tonneau, tu aurais dû abandonner. Oui, j'aurais dû mourir 1000 fois, d'ailleurs. Ouais, aïe. Je trouve que les voitures sont plutôt... Voilà, sont bien mieux faites que dans le... Ah, il y en a son player en mode de joueur, en tout cas. On peut encore lire les sponsors, on va dire. Ouais, ça n'a pas trop souffert du fait que le mode de joueur altère quelques capacités graphiques. Ouais, il y a juste un petit peu l'affichage au loin qui est progressif, quoi, mais bon. Par rapport à la player, c'est pas pire. Ah, j'ai rien sûr si ça donne le mode 3-4 joueurs, ça peut être marrant. Ouais. Les 4 voitures dans le décor dès le premier virage. Ouais, ça va être ça surtout. Par contre, pour récupérer la voiture, la basse vitesse. Ah, c'est impossible. Courage, hein. En fait, elles tournent trop fort les voitures. Donc à l'arrêt, elles ont une amplitude beaucoup plus élevée. Il n'y a pas la sensibilité à la vitesse. Il y a la sensibilité à la vitesse qui est trop forte. Donc dès qu'il n'y a plus aucune vitesse. C'est moi ou j'ai le drapeau ukrainien sur la de la voiture? Ah non, j'ai cru. Bon, je crois que nous sommes 4, mais les deux IA n'apparaissent pas dans le jeu. Bah ouais, je sais pas, c'est bizarre. Peut-être qu'il y a un réglage à faire. Ça m'étonne quand même que la 64 puisse pas faire ça, c'est pas possible. Vu le niveau de détail qui n'a pas trop minuit en deux joueurs. Bah ouais, c'est ça. Je sais pas, c'est à voir. Ah non, j'ai fini 3ème. Ah, mais en fait, les IA, j'ai même pas fait gaffe. En fait, il y a 2 IA qui sont invisibles. Ce que je te disais, ouais. Ah, j'avais pas compris ça, effectivement. Ouais, donc on est vraiment nuls. Attends, mais regarde-moi. Bon, après, on est en mode expert. Hein. Peut-être qu'on aurait dû baisser le niveau de difficulté, en fait. En mode débutant. Ouais, parce que là, on est à 2, 22, 54. À moins de faire 0 erreur, je pense que ça va être compliqué. Est-ce que tu veux tenter ou est-ce qu'on change le niveau de difficulté? On reste comme ça. On reste comme ça? Allez, assume. Oui, de toute façon, après, je pense que. On va gagner facilement. Ah. Bon. Allez, parti pour le Grand Prix d'Indonésie. Le rallye, pardon. Ce que je regardais dans la brochette, c'est est-ce qu'ils sont toujours sponsorisés par un phony comme la version Play 1? Eh voilà, il est magnifique. Je fais rien, c'est la voiture, hein. Oui. Oh là, mon dieu, c'est pas possible. Bon, déjà, par rapport aux IA, on a 4 secondes. C'est rien, c'est que 4 secondes. Rallye, ça veut rien dire. Ah, mais du coup, c'est dommage, parce que comme on n'a pas les IA, on peut pas s'amuser à jouer entre nous, puisqu'on sait pas où sont les autres, quoi, enfin... On peut pas jouer à Burnout. Il doit bien avoir moyen de... un peu si on peut remonter un peu sur les IA quand même. Pour toi oui, moi c'est perdu d'avance. Bah après je dis pas que ça va être facile pour moi non plus, mais ah ouais, je suis en train de monter quand même un peu. Oh, le petit saut, aïe, attention. Ah, quand la voiture commence à partir, c'est fini. Finalement j'aurais peut-être dû prendre la Skoda. Ah, la Skoda tourne pas par contre, c'est le gros défaut, mais au moins elle est plus stable. Aïe, oh j'étais presque. On a rien vu. Bah si, on a tout vu en fait, mais... Après la Mura n'est pas dégueulasse quoi en soi, mais... Elle peut partir très vite en vrille quoi. Ouais. Oh là là, n'importe quoi, je 3D maintenant. Même moi, je suis obligé de freiner en ligne droite. En fait, faut tourner le moins possible pour garder le plus de... Enfin, qu'elle commence... Qu'elle évite de partir dans un sens. Aïe.
Ah, je pense que c'est fichu. Je pense que c'est fichu. On a déjà fait un tour. Ça va tout doux, tout doux, et c'est bon. Ouais. Enfin, j'aime bien les décors de ce rail. Ah non, ce que j'aime surtout, c'était le... C'était le... la musique avec. Ah, la musique estivale dans le 1, ouais. Ouais, c'est plus sympa. C'est un peu d'ambiance, là, y a pas de musique, y a que dalle. Mais par contre, je suis en train de poser la question, je pense que c'est en mode de joueur, du coup, c'est pour ça qu'il manque de détails. Et je crois qu'il y a un poil plus de d'éléments en jeu dans la version Play 1, par contre. Dans ce ouais, le public, par exemple. Ouais, il y en a un peu plus. Parce que je peux le prendre à fond. Ça. Après, dans le 99, il y a plus de voitures. Ouais, mais il est un peu plus complet, le 99, en fait. C'est une bonne version, je trouve. Oui, 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 c'est bon, on va passer. Avec un jour, on demande à Harry Vatten de tester ce jeu. C'est vrai, il a même pas testé, il a juste été consulté. Ça dit, mettre ton nom sur la jaquette. Oui, voilà, nous avons pu consulter Vatanen, création du jeu. Ouais. Ah, c'est dommage, j'étais revenu une seconde. Ah, c'est pour ça qu'il y avait la Ford Escort V-Rally. Oui, pourquoi c'est la sienne, non? C'est ça, ouais, il a piloté à quelques reprises. Je trouve qu'elle est classe d'ailleurs, la version noire de l'Escort. Je l'avais en majorette à un moment. Ah bon? Je l'ai perdu malheureusement. Ah, elle doit avoir une fortune maintenant. Après, c'est juste une escorte standard avec des stickers V-Rally. Ah, ok, ouais, c'est pas la même chose. Et ça aurait pu. Je crois qu'on a des blocs d'ailleurs dans le jeu, hein, c'est pas sûr. Ouais. Bah, dans le 2 et dans le 3, il me semble, vous pouvez débloquer la courlade de Martin Brundle. D'ailleurs, si tu vois, si t'as remarqué, il y a une petite erreur dans le jeu. Le jeu c'est 99, mais la Escort, elle est. Je sais pas, c'est pas celle de 99, c'est celle de 98. Et la Corolla, la Corolla, ils ont les vrais sponsors, mais c'est pas la même livrée que la version 97, quoi. C'est la saison 98 entière. Enfin, le début de la saison 98. Ouais. Comme t'as encore l'évolution 4. Les t'as encore l'évolution 4 dans le jeu. Ah, l'évolution 4, ouais. Ouais, ouais c'est vrai. Ah oui, parce qu'en plus, l'évolution 4, elle a disparu en milieu 98, ouais, c'est ça. C'est ça. Et la livrée de l'Almira, justement, elle est utilisée en début de saison. Oh là 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 là. En même temps, en 99, ils sortent de Rally 2, donc... un peu logique. FIFA, les jeux FIFA ou PES, c'est toujours un an de retard. Pas pour la base donnée, ouais. Bon, maintenant ça va, ils mettent à jour assez rapidement, hein, le jeu de foot. Je crois même qu'ils mettent à jour quasiment par rapport aux progressions en cours des équipes dans leur championnat. Mercato hivernal surtout. Enfin, le finish, ouais, je vais finir, mais pff, on est tellement loin. Encore une humiliation pour moi. Ouais, ça va, on est tous les deux à la rue. T'es vraiment sûr que tu veux pas changer de mode, hein? Mode difficulté... Non, on a su jusque vous. On a su? Allez. Bon bah du coup, je vais te poser la petite question par rapport déjà aux nouvelles Formule 1, là. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, moi je suis vraiment intéressé pour voir les courses. Après, je ne m'attends pas à un changement total de hiérarchie, contrairement à ce que certains écrivent. Ouais. Et au moins... des courses, on va dire, pimentées. C'est vrai que pour l'instant, les essais, bon, on se doute que McLaren est pas mal, mais Mercedes avait l'air pas mal aussi, donc ça change pas beaucoup. Est-ce que l'As va survivre tout au long de la saison? Ouais, c'est, je pense que c'est plutôt ça la question. C'est ça. Et bon, là, il n'y a pas de tour, hein, c'est en une fois. C'est simplement des spéciales. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai pas accéléré comme toi, et on est parti en même temps quand même. J'avais le compteur qui était à zéro, toi il était à fond. Ça a rien changé. Ouais. Pareil pour le 1. Ouais, c'est très bizarre.
Et quelle est ta livrée préférée du coup pour le moment? Pour l'instant j'ai mis à la Mercedes. Avec le retour au blanc, pas un gris blanc. T'avais pensé un peu à la livrée qu'ils avaient utilisée à Hockenheim 2020. Pour les 65 ans là. Ouais. Oula, joli vol plané. Je suis mort, désolé. Et à votre âme. Ah, il y a un peu de public quand même. C'est sympa. Ouais, un peu plus. Puis on a le bruit de la nature. Et le son de ces moteurs. C'est horrible. Ouais, tellement pas réaliste surtout. Enfin, en tout cas, ça ne correspond pas aux voitures. Ça fait très Ridge Racer quoi. Un peu. Enfin, les premiers du nom. Mais ouais, l'ambiance du jeu quand même, toujours bien aimé. J'ai l'impression de vacances. Alors, en parlant de ce jeu-là, il faudrait confirmer. Mais la Golf a été prévue pour être inclus dans ce jeu. La Golf, la Volkswagen? Ouais. Et pourquoi ils l'ont pas prise? Je sais pas. Ah ouais, parce comme que du genre Colin McRae qui l'a fait en même temps, non? Ouais, c'est ça. Si quelqu'un a une explication, je suis partant. Bonne bon, après, ils ont quand même pas mal de licences quand tu vois bien le nombre de voitures qu'il y a. Certes. Parce que là, on voit pas, mais l'Axara aussi. Aussi. Bah le podium du coup. Ah bah je suis dernier. Ah là là, zut. Mais on s'est pris un vent hein. On s'est pris un énorme vent. Du coup après on passe au rallye suivant. Donc là il y a 3, 2, 1. On garde comme ça dans le mode difficulté, on change de tracé ou tu veux réduire et refaire faire un autre rallye? Écoute, on va essayer un autre rallye. Ok, avec le même niveau de difficulté. Ouais. Ok, tu veux lequel? Si on finit dernier. Est-ce qu'il y aurait Macao? Non. De c'est... quoi? Non. Ça aurait pu quand même, vu les physiques du jeu. Macao? Ouais. Non mais il aurait eu 8 morts à Macao. Allez, le tour de Corse. Corse, c'est près de chez nous. C'est le pire. Bon bah go hein. Il y a des jolis villages là-bas. Ouais. Ouais, ouais. C'est une belle région. Enfin, c'est deux beaux départements, la Corse. Ah, bah là, il fait pas beau par contre. Salut les Corses, passage. Si vous pouvez éviter de brûler à cause de. À cause d'Ivan Colonna, ça serait bien. Non. Ouh là, on voit que dalle hein. Je te laisse faire l'ouverture, hein. D'accord. Tu serais payé combien? De quoi? Faire l'ouvreur. T'as hésité quand même. Oh là là. On voit rien du tout. Je vois rien. À la limite, c'est marrant, mais du coup, parce que comment on voit rien? C'est bien. Ok, je suis parti tout seul. Ça va être nos capacités à tourner d'épreuves. Ça va se jouer au talent là. C'est sûr. Et à la voiture. Voilà. Heureusement que j'ai un point blanc pour m'aider. You are. Je pense que j'ai devoir lécher les murs. C'est efficace, déchirer le mur, enfin le décor. Ah ouais. C'est vrai que là, la distance d'affichage, du coup, ça rend le truc bien plus complexe que prévu. Oui, dans l'intérieur. Oh là là, ah. C'est magnifique. Oh mon dieu. Incroyable, il a cédé à la pression. C'est Ah, tu l'avais bien pris au début, alors je me suis dit, bon, il va peut-être suivre du coup pareil. Mais comme tout ouvrait, c'était plus compliqué, je pense. De quoi? J'ai regardé l'écran du haut en même temps. Ah ouais, non, mais c'est là, ah oui, c'est qu'on... Avec BGG, on avait eu le même problème, c'est qu'en gros, on se déconcentre nous-mêmes en fait. En attendant, ça regardait l'autre écran et. Ah, je crois qu'on peut changer la vue. Ouais, ah ouais, ouais encore. Je savais qu'on a, oui, on peut encore plus loin. Et ils ont gardé la vue capo, même en deux joueurs, ça c'est pas mal. Ouh, y'a 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 y'a. Et voilà. Tu peux changer la vue? Ouais.
Avec le bouton C, mais alors je sais plus, c'est la, je crois que c'est le joystick droite, je sais pas quoi tu joues, mais vers le haut il faut aller. Ça c'est la guerrière. Du coup c'est bien, ça, belles, ma ça donne un peu plus de visibilité quand même. Sinon Kim, suis-tu le WRC cette saison? Absolument pas. Ça fait longtemps que j'ai lâché. Même si l'hybrid qui est arrivé cette année, c'est ça, hein, c'est pas de bêtises. C'est bien ça, ouais. Non, j'ai lâché en fait. Moi j'ai lâché quand les constructeurs japonais se sont barrés. À part Toyota évidemment qui est revenu depuis, mais... Ouais, bah, Toyota c'est pas mal. Ouais, mais il manque les classiques des années 90. Il manque l'Ancia aussi. On va les laisser tranquilles, je pense. Quoi, il serait capable de nous sortir une Ypsilon, Ypsilon WRC. Quelle horreur. La mode était compacte. Ouais, c'est ça aussi le problème. Bon après, non, l'Ancia, les compacts, ça aurait pas posé problème pour eux. Hein. Après, tu diras, que la Delta était déjà une petite. Ça fait presque 50 ans qu'on utilisait compact, quoi. Ouais. C'est pas non plus un problème en soi. Ouais, mais c'est logique, en réalité, les compacts, de toute façon... par rapport à... Déjà, par rapport à la largeur des pistes, quand tu fais un dérapage, déjà, t'as moins de chances de toucher le bas côté, quoi. Ça va demander ça à Skoda. Ils auraient compris, Skoda. Quoique si, à la fin, il était avec la Fabia, hein. Et la Fabia, bon, ça s'est pas mieux sorti pour autant, mais... C'était un choix. Elle était sympa aux couleurs Red Bull. Elle avait couleur Red Bull, la Fabia, elle était pas verte et blanche. Au moment, si. Ah, ok. Bon, c'est bon, à la fin. Comme Mitsubishi qui ont mis l'aileron à la fin entre les deux, ils auraient dû couper le coffre avec, quoi, ils ont oublié un détail. Ça aurait pu être efficace s'il a pu être testé en profondeur. Ouais. Oula. Ah, t'avais fait un tour pas mal au début, hein. J'avais du mal à te suivre. La jeu était de courte durée. Oh, bah ça va revenir. Non, je sais pas trop, je pense que ça fait 14 ans de domination française et ça m'a tellement saoulé que... Allez, pour l'honneur. Pas mal, belle arrivée. Voilà, pour faire au public. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais il y aura aussi Etoka, hein, qui pourrait être sympa à faire en 1-2. Même Eto premier. Surtout le 2. Avec les cheatcodes. Ouais, même sur les cheatcodes, je veux dire, ça peut être marrant. Du coup, on va falloir trouver la suite, SS2. D'ailleurs, en parlant de Toka, je ne sais pas si vous le savez ou pas, il va y avoir un jeu sur le BTCC d'ici 1 ou 2 ans. Ça fait pas un bail qu'il ait prévu ça, déjà? C'est prévu depuis... ça a été annoncé depuis presque 2 ans. Ok, c'est pas le bon passage. Oh mon dieu. Ouais, 2 ans, c'est pour ça que je dis ça, ils ont toujours pas sorti le BTCC. Mais ils vont faire avec quelles équipes, du coup, parce que c'est très volatile, le BTCC, actuellement. Les îles privées. Bah, je te reviens en ligne, on a rien vu. Oh là là! Bah. C'est limite un beau move, quoi. Oula, il y a un petit bug d'affichage là. Oh mon dieu! C'est pas le 3 DG si c'est à gauche, quoi. C'est ignoble. Ouais, mais c'est. Ouais, c'est particulier. Et à quoi tu joues, Hervé là? Aïe 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 aïe. Bonjour, je m'appelle Pla, et toi? Moi, PLP. Bleb. Et un petit saut même avant le... Ah mais c'est n'importe quoi. On a une belle vue sur la baie d'Ajaccio en plus. Ça. Faut le dire vite. C'est pas vrai. Ouais, le BTCC, au moment où je re-suivais un petit peu, mais j'ai arrêté. Les courses sont sympas, vraiment. Ouais, les courses sont bien, y a rien à dire. Mais c'est vrai que souvent, le problème des courses BTCC, c'est que sur les 3 courses, ça se tombe souvent sur plein milieu du week-end des fins, et... Bah, disons que j'ai fait un choix, quoi. Juste aussi trouver un stream de qualité. Ah, ITV4, tu peux le trouver, normalement. Assez facilement. Parfois, mais... moi, j'ai galéré, parfois. Soit ça se coupait d'un coup,
Ça, ça ne marche pas du tout. Maintenant, il y a quand même l'avantage, c'est qu'il y a les rediffusions sur YouTube. Ouais. Donc au pire, tu prends ton mal en patience, tu regardes la fin après, quoi. Parfois, tiens-jouant, partage les liens. Un tiroir. Bon, bah c'était... Ah, il y a faire nuit, là, cette fois-ci. Et en plus, il y a 3 tours. Ouais, ça... Je crois que ça va être compliqué, non. Est-ce que tu aurais une corde, s'il te plaît? Une? Une corde. Une corde. non, c'est pas prévu dans l'émission, on va dire. Ça va encore, la visibilité n'est pas mauvaise. Non, mais surtout qu'en plus, ça sert à rien, les phares. On voit qu'ils sont allumés, mais il n'y a aucune différence devant, quoi. Bah, t'as essayé de passer, ça fait exprès. Oui, bien sûr. Ouais, je t'attends un peu, sinon c'est pas drôle. Mais c'est vrai que... C'est vrai qu'ils savent à rien, là. Tu nous disais qu'ils ont mis des bougies, quoi. C'est comme sur le jeu Le Mans sur PS2 et PC. Ouais, oh, les deux freinages. Faire un duel sur le jeu 24 heures du Mans. Ah ça ouais, c'est vrai qu'on aussi, on pourrait faire ouais, 24 heures du Mans. Bon, en vrai, il y a tellement de licences qu'on pourrait tenter. Mais on ferait la raison Dreamcast, je pense. Si ça galère pas trop. De quoi? Si ça rame pas trop. Ouais, à voir. Non, c'est pas une histoire de ramer, c'est... C'est surtout pour la configuration des touches après pour le deuxième joueur. Parce que j'ai toujours du mal à émuler la Dreamcast chez moi. Parce qu'elle a son Play 2 aussi. J'aimerais faire la Dreamcast, elle le mérite bien, quoi. Ouais. Disons qu'elle est plus propre sur la version PS2. Bon bah, sinon, comme vous voyez sur cette vidéo, j'ai toujours derrière Kim. Mais non, c'est pas grave. Tu m'avais battu à... au cochon de guerre la dernière fois. C'est vrai. Un retour des choses. Ah. Non, mais comme je disais, comme je suis le championnat actuellement dessus, j'ai quand même plus l'habitude. Et je suis à domicile, ça aide aussi. Voilà, si par miracle je pouvais terminer deuxième, là. Mais que vont penser ceux qui vont voir ça, quoi? Pas rien, hein, écoute. Le jeu est compliqué de toute façon, donc. Il va falloir que je m'entraîne davantage, hein, un jour. Aïe 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 aïe. J'ai pris l'opposé. Jolie action, hein, au passage. Il y a personne, il y a aucun public dans le village. Non, il y a rien du tout, mais après il fait nuit, surtout ça va se coucher. Ou alors le village a été évacué. J'en ai eu quelques-uns quand même, les spectateurs. Bonne nuit, hein. Ouais. Au moment où on tourne la vidéo, c'est demain qu'elle est cette baraine en plus diffusée sur le canal. Ouais. Entre, je crois que c'est 10h30 midi sur les 3 journées. J'ai pas fait attention aux horaires. Maintenant, 10h30 midi, la moyenne des gens travaille. Sans que je suis pas disponible alors. Ouais. J'hésite à les diffuser d'ailleurs. C'est un grand village, hein, quand même. Ouais. Un peu en longueur. Ah. Surtout avec une énorme grande rue. Avec un dégagement énorme. C'est bien. Pas de risque d'accident pour les civils. Ouais, mais c'est totalement à l'inverse de ce qu'il y a vraiment en Corse en plus. C'est ça. Oula. Bon, il prend des 306 maxi, hein, quitte à faire honneur au kit car. Non, je la prendrai pas. Pour pur respect de la marque et de la voiture. Oh là, 28 secondes, 39, c'est n'importe quoi. Et ça va, je suis à moins de 20 secondes de toi. C'est pas mal. Oui. Je me souviens que j'avais galéré contre les IA. Il mettait un vent en toutes circonstances. Ouais, j'ai pu le voir parfois dans tes let's play. Allez, allez.
sûr. Donc, as-tu déjà essayé V-Rail 4? Non, je m'y refuse pour le moment. Mais c'était l'API qui avait des clés justement, bon, il m'avait proposé avant. Mais je l'ai pas pris, il avait une clé V-Rail 4 justement, donc je pense que quelqu'un a peut-être essayé. Dans le lot. Je l'ai pas essayé non plus, mais. Les avis étaient mitigés quoi. Disons qu'à l'heure actuelle, quand t'as du dirt à côté, t'as pas besoin quoi. Même WRC limite. Ils auraient dû recontacter Harry Vatanen. Par contre, j'aurais bien un prochain Sega Rally comme le 2006, là, ça peut être pas mal. Oula, attention! Je pense que ça sortira dans 2-3 ans. Dans un monde parallèle. Ouais. J'aimerais bien quoi un remake de V-Rally. Le premier? Pas avec les mêmes maniabilités, mais. C'est-à-dire. Quelque chose de similaire. Enfin, un Sega Rally bis quoi. Ah. Bah. Ouais. Bah après, ça sera arcade quoi. Ouais. C'est assumé. Bon bah troisième place. C'est bien, t'es sur le podium. Ouais, incroyable. Il y a bien un jeu de rallye qu'il faut essayer également. C'est Rally Championship 2000. Sur PC. Sur PC, ouais. Ouais, faut voir. Après émuler à distance, ça va être compliqué je pense, parce que il faut deux claviers ou j'en sais rien. Essayer toi-même quoi. Ouais, bah faut bah, que je sais effectivement. Alors du coup, 22... Ouais bah 8, 10... bah c'est bon, hein, dans le même temps que tout à l'heure quoi. Aucune évolution dans le classement. Alors, 0.1. Ouais. Alors je te propose pour la dernière, est-ce que tu veux faire un autre rallye là-dessus ou on change de voiture ou on tente autre chose? On peut changer, si c'est possible. Ouais on peut. Arrêter l'agonie et... Arrêter l'agonie, ouais. On va faire back. Kit with saving. Alors, nombre de joueurs. On peut rester qu'à 2. Arcade. Per setting, droite quand même. Ah, on peut vraiment pas rajouter de voiture. Hein. C'est quand même bizarre. On va baisser un tout petit peu la difficulté des IA. Comme ça va être plus sympa, je pense. Voilà, t'es en extrême pro. Chez Zant. Petite option, on va faire arcade, start. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi comme type de voiture? Allez, on va changer. Tu veux quoi comme WRC extra? WRC extra car c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Bon bah du coup, je vais prendre la escorte Corolla. Donc il y a vraiment les sponsors cette fois-ci. L'Evo 4. Je crois qu'il manque FedEx, non? Je veux dire Movistar. Sur la... Ouais, il manque Movistar, ouais. Et donc on disait, parce que je sais pas si on va la prendre après, mais... Sur la extra car ici, regardez. Si on prend la Lancet Delta Intégrale, on l'a vu en off. Il y a encore le sponsor Martini, en fait. Ils l'ont pas retiré. Et du coup, je me rends compte que... Je sais pas si on fait pareil pour toutes. Ouais, non, il y a que celle-là. Il y a pas Malboro. Il y a pas Malboro, ouais. Ouais, je vais prendre une... Allez, une Subaru. Je crois que je l'ai jamais pris dans le jeu. C'est surprise. Non, mais dans le jeu, je crois que je la prends jamais. Allez, je vais prendre d'autres Jap. Alors, qu'est-ce que tu veux faire comme level? Ou tu veux faire l'expert, tu me diras, mais... Tu veux ma mort? Ah, je sais pas, je te laisse choisir. Allez, niveau 2. Niveau 2. Juste par le milieu. Par la Nouvelle-Zélande. Bon, on fera encore deux. Le circuit de Suzuka. Je me suis trompé. C'est vrai que ça y ressemble un peu. Donc plus que le 8. Donc du coup, bah, y a pas d'IA, c'est vraiment dommage. Hein. Par contre, on a un timer, hein, 68 secondes. Je compte sur toi, Hakim. Je sais pas si ça va le coup compter sur moi. Oh là, oh là là. Oh, bah, en plus, je t'ai emmené avec la... Avec mon erreur. Désolé. C'est faire ça à Tommy Mäkinen. Oh là, champion en titre d'ailleurs à cette époque. J'étais dégoûté du vilain broquin, ils ont même pas parlé de
de Mitsubishi alors qu'ils ont ruiné 4 ans le championnat à l'époque des Groupama quoi. Bah après côté titre constructeur ça revenait souvent à Subaru, à Toyota. Oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que la deuxième Mitsubishi... Non mais il a... une voiture balai quoi. De quoi? La deuxième Mitsubishi. Oui. C'était souvent la voiture qui sert à rien quoi. Ah celle de Freddy Wah, de Ericsson, etc. Ah mais après ils auraient passé 10 minutes de plus s'ils avaient pas parlé de tout. Virat Tommy Mäkinen n'a pas... aurait pu perdre le titre quoi en 98. 500 mètres près. Ouais avec la crevaison, c'est la crevaison c'est ça de Sainz? Non la casse moteur. La casse moteur pardon. Regarde. Ouais les Durac. C'est comme la loose hein. Bon après je crois que c'est pas le seul à avoir perdu le titre un peu à ce niveau-là dans le dernier rallye, comme ça. Hirvonen en 2009. Ah ouais, j'ai oublié les années 2000. Ouais, il y avait pas un championnat où Loeb pouvait pas participer à la dernière course et il a quand même pas réussi à être champion l'autre. Il manquait un point ou je sais pas combien. C'est pas en 2006 où il a déclaré forfait Loeb justement. Ouais, je crois que c'est sûr. C'était Grenoble, non? C'était face à Grenoble, oui. Ouais. Mais Subaru ouais. Était hors du coup. Mec, il était bon, Grenoble. Ouais. À l'époque Peugeot. C'est une histoire. Oh, à l'époque Peugeot qui a duré combien? 2001, 2002, 2003, maxi, hein? 4 ans. On a oublié l'époque 307. Ouais, non, mais celle-là, on va dire qu'elle a jamais existé. Ah, elle est pas si mauvaise que ça au final. Oui, oui, bah sûr si tu compares à l'époque Skoda ou Hyundai. Au moins il y avait le budget chez Peugeot. Je repense au jeu, mais j'ai l'impression que c'est plus facile quand on a deux en fait que tout seul. Forcément, t'as moins de gars. Non, j'ai l'impression que le jeu est un peu plus maniable ou plus lent, je sais pas, c'est bizarre. Je sais que je galère toujours autant. Ouais, même sans ça... Oh, mais pourquoi? Ok, d'accord, je crois que c'est tout droit. Je suis allé... J'ai fait avoir par le décor, quoi. Oh, j'ai 30... Ah oui, vous savez qu'on a changé la difficulté des IA, hein. J'en ai baissé d'un cran. Ouais, je suis qu'à 38 secondes. C'est pas mal. Du combien? Ah, mais de tout le monde, de moi, en fait. Ouais. Donc, potentiellement, t'es qu'à 4 secondes du 3ème. Bon, t'étais. Ouais. Des décors en Nouvelle-Zélande, hein. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Oh, il est pas trop mal, mais c'est que les pif-paf gauche-droite là, enfin, ou droite-gauche, sont un peu compliqués. Parce qu'au moins, il y a un gros saut. Ah, c'était avec la Hyundai, j'avais énormément galéré au début du jeu. Incontrôlable cette caisse. Ah ouais, j'ai eu dans le left slide. C'est ça. Give up au bout de... une spéciale. C'est dommage que j'aime bien la Hyundai. Pas forcément la coupée, mais j'aime bien l'accent de 2000... 2000-2001, ouais, jusqu'à 2003. C'est surtout la livrée que j'aimais bien. Ah ouais, c'est sympa, bah ils avaient recupéré la livrée Castrol aussi. Ça. Mode grisé. Bon ça va, alors, niveau temps, il te reste 75 secondes, c'est vraiment beaucoup plus permissif que le rallye. Hein. Ouais, je me rappelle que dans les premiers secteurs, il fallait cravacher, quoi. Ça, ah, c'est dommage. Bah, t'es 7 et 8 secondes par rapport à Jay. Ah. Je pense qu'il faut vraiment y aller smooth quoi, c'est le seul moyen de réussir dans ce jeu. Attaquer sert vraiment à rien quoi. Je viens de voir ça. En vrai je pensais au mode 4 joueurs mais qui va vouloir faire 4 joueurs sur ce jeu là quoi.
T'as qu'à annoncer une récompense. Voilà. Donc une. Toute mon estime, on va dire. Corsica, c'est 5. Du coup, c'est la Corse, cette fois-ci. Là, drôle des formes, hein. Je veux pas savoir. J'ai même pas fait gaffe, quoi. Ah, on retrouve le village corse. Ouais. Ça fait plaisir. On a que 55 secondes de time. Ouais, non, c'est drôle. Circuit sûrement court. Non, c'est que c'est le premier secteur. Après, une fois qu'on le valide, ça monte trop. Hein. On va voir ça. Ah oui, oulala, j'ai voulu prendre l'intérieur. Ça s'est vraiment mal passé, quoi. Attends, j'y reste concentré. Et Plbe qui prend la tête. Hydro de la Boza. Je sais pas. Ça vient. Juste effleuré. Oh, le pif paf là, il est monstrueux. Je t'ai rattrapé là d'un coup là. Je craque sous la pression quoi. Oh, y'a pas de pression. Mais ouais, je sais pas, c'est une sorte d'habitude au bout d'un moment. En fait, je laisse traîner tout droit. Enfin, je n'accélère même plus en fait dans les pif paf. Je laisse faire juste son trajet. Je suis à 30 sur le virage quoi. Allez, le petit saut. Collision sur 20. Je t'abode aussi pour freiner, enfin je freine jamais, je pique jamais qu'on peut. Je pense avoir compris l'astuce là. Tant mieux, enfin. Il était temps. Ah non, ah bah si, oh là là, bah magnifique. PLA, PLB, le classement qui change et c'est Jay qui récupère. C'est Jay Robinson qui gagne. Juste de sur ligne de départ arrivé. Est-ce qu'on va recevoir au niveau temps, on est bon là, y'a pas de problème. Y'a aucun souci. Oh là 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 mon dieu mais. Aïe. Et non. Bataille entre Nippon. Qui va survivre le premier? On va terminer 3ème. Oh là 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 là. Ouais, c'est bon, ça passe. Ah, elle est maniable la Subaru, mine de rien. Ouais, pour la Mitsu. Presque. Ah, j'ai envie de dire, c'est plus agréable avec une WRC qu'avec une car. Ouais. C'est paradoxal en fait. Bon, je t'ai aidé. J'ai à peine effleuré le rocher. Je t'ai poussé un peu, je me suis dit ça te permet d'avoir un peu d'amplitude. En fait, j'ai tout droit en fait dans le pif paf, hein. J'essaie même pas de prendre le virage et du coup ça passe. Mais faut être vraiment vraiment précis quoi, c'est pas évident. Ouais, je confirme. Hein. Écoute le public. Les acclamations. J'entends rien. Ah, je t'ai la fenêtre. Budget. Ah, t'es revenu. Bien, parfait. Attends. Ça sent le coup de Trafalgar là. Non, du tout. Et du coup, c'est bien, on va aller chercher le. On va essayer de chercher le leader. Moi, j'ai fait la même que tout à l'heure. Oh, bobo. Et PLB qui prend la deuxième place, c'est incroyable. Juste à la fin quoi. Non, c'est pas la fin, il reste encore un tour. Tu t'es planté tout seul à cause de ça. Ouais. C'est une blague. Tu sais qu'il y a marqué finish en fait, ça change quand c'est le dernier tour, hein. Il n'y a pas marqué start. Non mais j'ai pensé vraiment quoi. T'imagines les mecs en l'espace d'une minute 30, ils ont le temps de changer la banderole en haut. Ouais, c'est vrai. On a des commissaires compétents. C'est ça, 13 secondes. Michael Masi, si tu nous écoutes. Mais il est plus là, Michael Masi. Enfin, il a été. Il a changé de poste, on va dire. Ouais. Un peu flou quand même, hein. Ouais.
Oh, attention, ouh, c'est bon, c'est pas assez, fais gaffe, elle bif paf après. J'ai vu. J'ai rien. Ah voilà, tu l'as bien passé cette fois-ci. En freinant sec, ouais. Ah, il est plaisant comme tracé quand même. Virage. Parce que le... il fait beau. Ouais, et puis même les virages. Bon, je suis un peu vite là. Et boum. Voilà, prochain article de Free Lotto. Les aventures de Goodstone sur V-Rally 99. Tout commençait bien pour le pilote jusqu'à son arrivée en rallye à l'aube de cette saison 99. Voilà, attiré par l'argent. Qui se finira en nombreux tonneaux. Dommage quoi, j'étais sur le point de rattraper. Eh, t'as pas terminé, le dernier, hein. T'as terminé 3ème cette fois-ci. C'est un peu 4ème, mais. T'as terminé sur le podium. Oh, en plus, c'est pas joué à grand chose. Ça s'est joué à 1 seconde. 5, 10, 5, 16, ouais. Ah, le Grand Prix d'Indonésie. Ça me rappelle un peu Watkins Glen. Ah oui, le tracé, ouais, c'est vrai. Mais au bon date aussi, un petit peu. Ouais, sur la partie intérieure. Oh là là, j'ai même pas essayé de contrebalancer. Ah, moi aussi je peux le faire, hein. Si. Non, mais j'ai pas fait exprès. C'est à cause du jeu. En fait, il y a un petit boost quand t'es deuxième, et du coup, tu vas beaucoup plus vite que l'autre. Du coup, si on se draft pendant toute la course, on va exploser l'IA, hein. C'est une bonne idée, ça, attends. Non, non, mais le fais pas. Vas-y, vas-y. Non, le draft ça marche vraiment pas bien encore. Regarde-moi ça. Ah, mais c'est quoi ce saut là? Je crois que je suis passé en dessous de toi. Alors, je verrai dans le replay quoi, mais. Mais c'est passé à travers, je crois. Sauf... Ouais, même plus à travers. Voilà le gros fou de frein. Ah, les sauts, c'est vraiment le seul truc bien dans le jeu quoi. Voilà, take down. Et du coup, on passe 3ème et 4ème. Grâce à moi. Oh là là, mais s'il vous plaît, gardez le contrôle là. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Hein. En plus, j'ai vraiment des pires élus. Je me demande toujours. Est-ce qu'on est en Indonésie ou sur la Lune? Je sais pas. Ouais, sur au niveau de la gravité. C'est ça. Ouais, j'ai oublié qu'il y a... Ouais, y a une petite bosse, fais gaffe quand tu vas arriver. Oh, bon, je viens de voir, ouais. Il voit. Bon bah, il fait quoi le copilote là? Je sais pas, il est mort. Il a mal pris le dernier choc. Aïe 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 aïe. T'es ex-aequo 3ème et moi je viens de perdre la première place là. Ce qui est dommage, dans le 1, dans le 99 et dans le 2, on n'entend pas le copilote gueuler tout ça. Non, c'est vrai. Comparé au 3, il est vraiment vivant entre guillemets. Je suis repassé devant, mais d'un coup quoi, genre les 5 secondes, je sais pas ce qu'a fait l'IA. Aïe aïe aïe. Des boss là, il me le dit pas. Je suis planté, je suis quand même à 8 secondes d'avance. L'IA a vraiment fait n'importe quoi à mon avis. Collision virtuelle? Ah non, 5 secondes, on va revenir. Checkpoint. Ah, le saut, je crois que je me fais avoir. Oui. Et allez, reste concentré. C'est quand même là qu'on voit que l'IA elle est pas. Suivant les tracés, elle est pas super bien. Oh, j'arrête pas de me planter, c'est magnifique. Il y a un ressaut après. Plus un rebond. Ça va, au moins elle est pas en mode Gran Turismo. C'est-à-dire. Voilà, qui ne fait pas d'erreur et qui est propre quoi. Ah oui, enfin, ouais. Et non, encore une fois le saut, il va. Je vais perdre la première place. Par contre, aucune différence de contrôle que ce soit sur la terre, sur asphalte, ah non, ou sur sable. Zéro.
Alors l'IA a dû se foirer aussi parce que je me suis loupé, j'ai perdu qu'une seconde. Ah là par contre je vais perdre. Pareil, l'écart reste stable. 7 millième. Alors je gagne pour 9 millième, enfin c'est pas, il reste encore un tour mais... Ouh, j'ai eu du bol. Le rebond était... Attention au scénario Carlos Sainz. Eh non. Très serré là devant. Ouais. Ouais, c'est vrai, les trois en une seconde. Copilote qui n'a dit rien du tout, quoi. Pas la boss. À chaque fois, j'oublie ce passage. Ouais, c'est bon. Ça, si ça s'est bien passé. Non, le jeu est plutôt fluide quand même pour deux joueurs. Ouais. On vient de noter, ouais. Oh, ouais, yeah, je voulais prendre l'intérieur, j'ai entendu. C'est bon. C'est bon. J'ai rien dit. Aïe, aïe, c'était pas le moment. Je suis en lutte avec J. Sinon, tu as d'autres personnes qui sont intéressées pour faire un let's play ensemble. Ouais, y en a, hein. C'est juste que pour le moment. Ça, y a des jeux en fait. Ouais, y a... on n'a pas forcément fait encore, mais. Mais y'a des gens. Environ 200-300. Non, je rigole. 200-300 personnes intéressées. D'accord. Oh, j'ai fini deuxième pour 400. Ah mince. 400 tirs. Ah, mais j'ai vraiment fait n'importe quoi sur le dernier tour. Je suis planté tout le temps, quasiment. C'est terminé troisième au moins là. Il y a que 5 secondes. 2. C'est l'arrivée. Non. Ah, dommage. Je viens de voir ça, mais la lancière est un peu écrabouillée quoi. Tu vois. Ah, oui, bah c'est parce qu'on est en mode. On va split screen, je pense. On m'aime pas. Allez, l'Espagne. On l'avait pas fait l'Espagne, je crois. 3. Non, on l'a pas fait. Ah, encore un village. Ouais. J'espère que t'es prêt pour mourir. Ah, tu rentres. Ouais. Non, juste derrière moi en fait. T'es pas côte à côte, enfin côte à côte, un peu décalé. En fonction des positions, quoi. Merci pour la relance. De rien. C'est 40 centimes. Non, ça va. C'est moins que le litre d'essence. J'ai pris de l'essence hier soir, j'ai bien fait. Hein, parce qu'en une... Il y a le pétrole qui a pris 8% à l'annonce de Biden. Bien sûr que le lendemain, ça a dû prendre 10 centimes. Mais je crois que c'est sur la semaine, les cours de l'essence. Pas sur une journée. Combien de bonnes bornes kilométriques Oh, je voulais bien le prendre, j'ai loupé. De toute façon, il y a un pif à gauche droite là. Hein. T'as fait la même. Ah. C'est magnifique. C'est vert, c'est joli. Et encore, c'est plus facile. Ouais, son player, c'était ignoble ici, je me souviens. On fait les mêmes erreurs, quoi, mais c'est... Le jeu, il sait comment le joueur lambda va se planter, quoi, c'est... C'est pourtant pas fait d'avoir passé anti. Ouais. Ah, là, il y a un arbre, par contre. Dans l'assemblée, il n'y a pas d'arbre, du coup, on se prend un mur invisible. Je ne comprends pourquoi il y a... Pourquoi on percutait le... Parce qu'il y avait un arbre. Que la console n'affichait pas. Magnifique. Du coup, c'est-à-dire qu'il y a une continuité par rapport à l'épisode 1 avec BJJ, c'est incroyable. Wow. Découvrez le secret caché de Verali 1 grâce à Verali 99. Ça va, les décors me font un peu penser à Need for Speed Porsche. Oula, ça fait longtemps que j'ai pas joué, je me souviens pas. C'est possible.
avec la Côte d'Azur, mais les bâtiments sont différents, quoi. Évidemment, les graphismes sont plus beaux. Oui. Mais c'est vrai que la 64, malheureusement, elle a pas eu trop de jeux de bagnole. Mais je pense qu'un Porsche 2000, ça aurait été plutôt réussi. Ah, il y a Hot Wheels Turbo Racing. Je l'ai pas fait, il faut que je le teste. Y'a quoi encore? Ridge Racer 64, ouais. Mais Ridge Racer, par contre, c'est vraiment partout, quoi. Que la Saturn, dans une case qu'il a pas eu, mais la 64 l'a eu. C'est à essayer, vraiment. Ah, pareil, hein, c'est vraiment. Je rattrape rien du tout là. La concentration, plus personne ne parle. Je vais peut-être d'ailleurs à faire. Enfin, je parle vraiment là, c'est du solo, mais. Ou peut-être même en direct, pourquoi pas. C'est décidément, vous allez dire que je fais toujours le même jeu, mais bon. J'ai une tête de faire mode, le Formule 97, mais en mode de difficulté maximale en fait. Et ne pas mettre la pluie. Bah écoute, bon courage, hein. Ouais. Surtout si faut, si avec une tirelle, quoi. Bah justement. C'est. Alors le but évident, ça va pas être des champions si je prends une tirelle, hein, c'est impossible. Concrètement, le jeu est impossible. J'ai vu que la seule solution de pouvoir gagner le jeu un petit peu, c'est de faire une course longue. Et qui est les consommations d'essence, parce que l'IA s'arrête plus que toi. Qu'il pleuve. Ouais, qu'il pleuve, non mais je veux dire, si tu remis ça. En fait, elles vont s'arrêter 4-5 fois, quand toi tu vas t'arrêter que 2-3 fois. Donc en fait, tu récupères pas mal de secondes. D'accord. Mais même avec ça, je pense que la tirelle, c'est impossible de gagner. Mais bon, pourquoi pas, on tentera le défi. Je sais pas si je le ferai en live ou pas. Ah bah voilà, tu t'es pris le mur invisible, enfin l'arbre. Ouais. J'ai pas fait beaucoup d'erreurs et l'IA est super forte quoi, 14 secondes. Allez, allez. Je crois que c'est la dernière course d'ailleurs du championnat. Peu de bêtises. C'est une Mitsubishi. Jacques, il vient de taper le mur, n'est-ce pas? Vous avez tout à fait raison, Jean-Louis. Trième. Mimakinen. Et c'est une victoire pour Ferrari. Jean Todt et toute son équipe. En plus, il a jamais eu le temps de finir ce qu'il dit. C'est ça, oui. C'est vraiment dommage. Va ravir de joie les tifosi. C'est une victoire pour Ukio Katayama. Yama, ouais. Un truc totalement improbable. Je suis sûr que cela va rapporter un bol d'or. Un bol d'air frais à Minardi. Minardi. C'était ça. Un petit choc ici, Jacques. Vous avez tout à fait raison, Jean-Louis. Ah là mon dieu, putain. Dire que ça, maintenant plus personne n'aura la rêve dans le futur, quoi. Oh, le freinage. Oula, t'as pris un mur. Ouais, c'est vraiment le mur invisible. Du bord de piste. Désolé, je viens de vomir là. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu la vidéo avec GMK et Ocon. Non. Ocon, ils sont sponsorisés par Gran Turismo 7 en fait. Et bon, ils ont loué un circuit. Ah, ça oui. Hein? Ça oui. Tu l'as vu? Ouais. Avec Ocon qui fait un tour à GMK là. Comment dire? En Alpine, le mec il a envie de vomir à la fin quoi. Tu vois, par exemple, je me souviens. Pardon, vas-y. C'est l'Angleterre? Ouais, c'est l'Angleterre. Ouais. D'accord. Je me souviens, mon père a tendance à rouler assez vite, donc en général, quand t'es avec lui, tu flippes. Et je me suis dit, un jour, je lui ai offert un stage de pilotage au Paul Ricard. Donc en gros, une Ferrari, je crois qu'il y a eu le choix. Hein. Il avait pris, je crois, il y a Ferrari, une Audi R10, je crois, comment ça s'appelle. R8? Ouais, R8, je sais plus laquelle, un peu au-dessus. Et une. Qu'est-ce qu'il avait pris d'autre? Une Lamborghini, je crois. Une Lamborghini.
Et à la fin de ça, t'avais un quatrième stage en gros où tu c'était un pilote carrément qui pilotait de à sa place, tu vois. D'accord. Mais c'était sur une 206 un peu boostée là, sur le circuit assez court. Et mon père il m'a dit en fait en passager tu te chies dessus quoi, c'est t'as beau conduire vite dans la vraie vie quoi, le fait de pas avoir la maîtrise c'est... Alors je sais, j'imagine en fait le copilote en rallye qui te fait ça quoi. Parce qu'encore ça c'est super... confiance entre eux quoi. Ouais. Et en rallye en plus tu vois le... tu vois vraiment le décor défiler super vite. J'imagine le Tour de Corse par exemple. Oh là là. J'aimerais bien, hein, franchement, faire même juste être conduit par un vrai pilote sur un circuit ou en rallye, ça fait des sensations vraiment de fou quoi. Je suis totalement d'accord. Parce que si toi tu conduisais. Voilà. Bah ouais, on prendrait beaucoup moins de risques. On prendrait beaucoup moins de risques. Moi aussi d'ailleurs. Ouais, et puis quand tu conduis en général, tu fais gaffe à ta bagnole quoi. Donc. Ouais. Ok, non, bon bah tant pis, j'ai rien dit. Non, non, moi j'adore démonter ma bagnole. D'ailleurs, je vais au boulot juste pour rembourser ma voiture à chaque fois que j'y vais. Après, j'ai pas de voiture en ce moment donc. Ah, ok. Je me souviens toujours de mon moniteur qui me disait. Je confondais toujours les autoroutes avec les circuits de stock car. En collant les autres. Ah oui. Ouais, coller les gens. Il y en a plein qui le font et c'est horrible en fait quand t'es passager. Parce que tu sais très bien que si le mec il pile devant, tu vas te le prendre instant. Bon bah il est pas mal le circuit, mais on voit rien quoi. Bah ouais, on est en Angleterre hein, regarde. Y a oui, en même temps pourquoi je te pose la question. Et vous voulez aller en Angleterre vous? Moi jamais, si c'est pour avoir des brouillards toute la journée. Moi aussi j'aimerais bien. Ah, voir le BTCC. Ouais, c'est vrai, BTC, ça va être sympa. Pour avoir un autographe de Jenson Button. En vrai, le championnat, il est quand même ultra vieux. Hein. Quand tu vois tous les championnats du même type qui ont disparu en 20 ans, tu dis c'est assez extraordinaire qu'ils soient encore présents. Quoi. Après, le format est différent. Ouais, c'est sûr. Bah, il avait failli couler en 2001, mais disons que ils ont quand même réussi à le tenir jusqu'au bout. Quoi. Maintenant, c'est devenu un championnat où... Bon, il faut quand même tout petit peu de moyens, mais disons que tu peux t'en sortir, quoi. Tu peux participer plus facilement. Dire que t'as quelques voitures exotiques. Oui. Il y a le frère de Lewis Hamilton qui court. Ouais, mais il est pas très bon. Sympa. Il y a un Audi, je crois. Au moment, oui. La dernière, c'était différent. D'accord. Tu vois, c'est marrant qu'il roule en Audi alors que son collègue il est chez Mercedes. Je me rappelle qu'il y a 2 ans et demi, on avait Marc Blundell. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Je voyais sur le truc, j'y ai Marc Blundell, what? Et bon, on voit que ça a perdu sa superbe. Hein. Avant, tu regardais, bah, genre les années 90, t'avais la moitié des pilotes, c'était pas des Anglais, quoi. C'était beaucoup de pays différents. Et là, maintenant, c'est 99% de Anglais qui sont engagés. D'Écossais et d'Irlandais. Ouais, enfin voilà, on va dire, ça reste sur l'île quoi. Mais c'est beaucoup moins internationalisé. Ouais, c'est vrai, mais. Je rêve que j'ai rattrapé 47 secondes là. Je viens de voir ça aussi. Regarde, je suis deuxième aussi. Non, okay. Presque. Oh, pour un centième, pour un dixième. Ah, ouais, ça peut le faire, mais je crois que t'as perdu un peu de temps, ouais. Trop de temps. En fait, ton problème, c'est que t'es trop sur les côtés, en fait. Faut vraiment être toujours au milieu de la piste, parce que le moindre petit bord, ça t'envoie toujours à la faute, et c'est impossible de gérer la fin, quoi. Ah, tu vas même terminer deuxième. Attends. La pression. À fond. Ben voilà. Voilà. Enfin, quelque chose de positif. Enfin, positif, ouais. Je trouve que c'est la dernière, je crois. On est déjà à une heure de... course. Ah c'est ça, c'est la dernière. Attends, je gagne là? C'est une blague? Si, tu gagnes. Mais what? Alors c'est possible qu'en fait le deuxième, des fois, il change sa place avec le troisième et inversement, donc peut-être que les écarts
Ok. Quand même une minute d'avance, quoi. Ouais, mais ça paraît beaucoup. J'ai quasiment jamais gagné avec beaucoup d'avance, quoi, à part celui-là. Ouais, de toute façon, c'est Verali, quoi. Il y a la logique, je la vois toujours pas. Mais bon. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. D'accord. Tes impressions sur ce jeu ? Sans commentaire. Moi, c'est bon, je pense à tout dire. C'est un jeu intéressant, quand même, graphiquement parlant. Ouais. Et, voilà, ça aurait mérité mieux, quoi. Surtout en termes de maniabilité. Ouais, ils ont vraiment gardé celle du premier, hein. Enfin, un peu de choses près. Ils ont corrigé quand même certains défauts de collision, quand même, hein. On en dirait pas, mais par rapport au 1, c'est quand même un peu mieux, sauf au niveau des suspensions. Mais bon, ça reste ultra arcade. Bon, bah, je vous dis à la prochaine, merci Guston. On se retrouvera pour une autre vidéo en multi, une autre fois. Ciao tout le monde. Salut. Dédicace à Vatanen. Vatanen. Ciao.